بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير دائما مع لي كور ديال الموديل ديال كريستال وغرافيك اليوم غنقدم لكم ليكزارسيس نيميرو ديس كونسيرنون لا ستركتور دو قبل ما نمرو ليكزارسيس متنساوش تابونو في القناة ديالنا ناجي خالد سيونس وتابعونا على صفحة الفيسبوك بروف ناجي خالد على بركة الله لينونسي ديال ديس يقول لو سوليد اكزيست دون لا ناتور سو دو Donc, un des deux structures différentes, là, on a le graphite et le diamant. Donc, un arc de l'ocadien, le diamant. Dans le diamant, les atomes de carbone s'agencent selon un réseau cubique à face centrée, avec en plus la moitié, et un demi, des sites tétraédriques occupés. La première question, représenter la maille cristalline du diamant. On vais définir et calculer la coordonnance et le nombre d'atomes par maille. Donc, on commence par la première question, la représentation de la maille. La première question, représentation de la maille. Représentation de la maille du diamant. Prenons un cube, tout d'abord, d'abord le cube. Nous on le motif de le carbone, le motif de le carbone ouais, Donc on a, selon l'exercice, le motif occupe un euh, cubique à face centrée. Donc le carbone ici forme les motifs forme une structure cubique à face centrée. Donc tout d'abord, fait, fait les positions fait les sommets. Donc, on voit la structure cubique à face centrée. Les rois de chèque, le centre de la face. C'est bien. Plus la moitié, la moitié des sites tétraédriques. Les sites 4. Les sites tétraédriques. Allez, on m'a site tétrahydrique. Notez 4. Les sites tétraédriques occupent eh, le centre. Donc, les sites occupent le centre de cube d'arrêt 1 sur 2. Paramètre de la maille ou ouais, à Donc, il y a 1. Donc A sur 2, il y a A sur 2. Donc je dois dessiner le cube d'arrêt A sur 2. Pour le dire de la y A sur 2. Donc je dessine le cube. Waada. Un petit cube. Bad shekel. Adab le cube. Si je prends Adawa l'axe des X. On a l'axe des Y, on a l'axe des Z. Donc, les sites les on les homades, le carbone, on a une autre couleur. Et d'ailleurs, on une autre couleur à la l'atome de carbone. Elle représente l'atome de carbone. Elle représente l'atome de carbone. Seulement pour distinguer la figure. Donc, le centre de l'aide, le petit cube d'arrêt A sur deux. Donc si je fais projeter à plan x ou y, checkl, donc head le site, on fait la position 3 sur 4, mm x, x égale 3 sur 4, tout le monde y, 1 sur 4, municipal z, c'est 1 sur 4, donc ici si z est égal 1 sur 4. Maintenant, je dessine un autre cube en arrière, l'arrêt de l'arrête A sur 2 toujours, donc récolte le cube au donc Donc, le motif de l'eau carbone, on le centre, le centre de l'eau, le cube, Donc, les coordonnées de l'eau, le motif, sont flax 10X, 1 de 1 sur 4, Flax 10Y de 3 sur 4. Flax selon l'axe des z on a 1 sur 4. Les coordonnées de la motif. motifs. On a déjà x égale 3 sur 4. Puis, y, y a 1 sur 4. Puis, Z a 1 sur 4. De même, on a deux autres motifs flicubes en haut. Donc, coordonnées, dialètes, le motif, bien sûr, annoncement moi un autre cube en arrière Donc, les coordonnées, il y a 1 sur 4 selon l'axe des X. Tout le monde, 1 sur 4 selon l'axe des Y. Donc, à l'axe des Y. Tout le monde, 3 sur 4 selon l'axe Z. Tout le monde, un autre motif, on fait, euh, le cube en avant, lié à l'MM, en haut. Donc, les coordonnées de, la de la motif sont 3 sur 4 selon X, 3 sur 4 selon Y, 3 sur 4 selon Z. On a fait les coordonnées la position de la moitié de la moitié de la Passons maintenant à la, question, à la question 2. Définir et calculer la coordonnance et le nombre d'atomes par maille. Deuxièmement, les définitions de coordonnées le mot là à chaque fois qu'on définit le mot on voit le nombre la Coordonnance d'un atome bien sûr ou d'un motif le nombre d'atomes le nombre d'atomes l'a de motif le plus proche le plus proche et voisin à l'atome ou la, le motif considéré Alors, à l'atome considéré prenons la maille le diamant les ieri les donc les les motifs représentent le carbone donc l'ardeana na bien un site donc, le motif le carbone est entouré, puisque c'est un site oxydrique, donc il est entouré par quatre autres motifs. Donc, la coordonnance de la structure, la coordonnance est égale à 4. Chaque motif est entouré par quatre autres motifs. Maintenant, le nombre de motifs par maille. Le nombre de motifs par maille. Prenons une autre fois la maille. Les Donc, le nombre de motifs, les motifs qu'on qu a sommet. Sommet est un 8. Candraban 1 sur 8. On a déjà traité le cas cubic en face Plus, est le motif qui connaît le centre de l'efface fois seulement 1 demi. Il y a une ma 2, 2 mailles. On a le motif qui cherche 8, 8 mailles. Plus la moitié de l'élicite, la moitié de l'élicite est 4 Donc z, a z le nombre de motifs. Donc z est égal à 4. Plus 1, plus 3. L'IA, 8. Donc le nombre de motifs, c'est 8 motifs par maille. La question 3, donner la relation liant le paramètre de la maille notée A et le rayon, et le rayon R d'un atome de carbone. Donc, troisièmement. Troisièmement. Relation entre A et R. Prenons la maille une autre fois. Donc chaque fois que qu je la maille, il y a le diamant. A le motif. L'icône fait l'icône fait six tétraédres par une autre couleur. Donc le contact est concerné la grande diagonale et la grande diagonale de la le cube. L'arête A. a sur 2 donc elle est A sur 2 maintenant il faut le paramètre du paramètre diel le cube a, a donc la grande diagonale de a tel de b par exemple de a tel b la distance a b est égale à la racine de 3 fois le paramètre de la maille a donc bien sûr la démonstration si simple AB, il suffit de, de prendre le triangle ABC, par exemple. ABC, rectangle en C, c'est simple. On installer le théorème de Pythagore le triangle ABC. Donc, donc on a un Donc, on a un équilibre. On va l'autre calcul. Donc, on AB au carré. Pythagore. Le triangle ABC. Donc, on dire AB b au Carré est égal, est égal à a c au carré plus bc au carré donc a c oua diagonale di a carré diagonale de a le carré les racine de 2a le tout au carré donc on a ou a, a, a c'est simple de calculer a c plus bc les a, a au carré donc. Donc on a 2 plus 1, il y a 3 a au carré, il y a A B au carré, donc AB, il y a la racine de 3 A. Maintenant, on a le point A D par exemple. Donc la distance à D, il y a la moitié l'AB. Donc il y a AB AB sur 2. Il y a racine de 3 sur 2. Ensuite, on va le point A, le E. Donc, AE, il y a la moitié de la diagonale AD. Donc, c'est AD sur 2. Donc, AD sur 2, il y a racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 4. Fois A. Donc, a, D, il y a AE. Maintenant, quand on va le motif A, ma E, son diagonale. Donc, on va faire donc je change le motif E par le motif de carbone toujours les nawans, c'est le, euh, le même motif donc A E aura le même motif à quatre la couleur pour distinguer les sites là les motifs lesquels il faut le sommet. donc à de la distance A E A E d'ailleurs A E A E est égal rayon plus rayon c'est à dire deux fois le rayon, le motif, idéal le carbone. Donc, on donc, dit deux relations, les fermes A, eux Donc, deux fois le rayon, idéal le carbone, est égal à racine de 3 sur 4 fois A. C'est la relation qu'on cherche. Donc, on dit soit A est égal à 8R sur racine de 3, ou R est égal à racine de 3 sur 8 fois A. C'est la même chose soit on trouve A en fonction de ou la R en fonction de A. Passons à la question suivante. On déduire la compacité du diamant. Donc on cherche la compacité. La valeur numérique devra être calculée. Donc la compacité, c'est la compacité notée c. Les 4 sav. le volume, par définition, volume occupé. Voilà le volume de, cube, fait de le cube. Le volume total de la maille. Donc c est égal le volume occupé ou le nombre de motifs Z fois volume de sphère. La les motifs comme des sphères sur le volume de le cube a, a à la puissance 3. Donc C est égal à 8 fois le nombre de motifs à la semaine 8. Fois 4 sur 3 puis r à la puissance 3 sur a en fonction de l r. Donc c'est 8r sur racine de 3. Donc en dit 8 à la puissance 3. r à la puissance 3. Sur racine de 3 à la puissance 3, il y a 3 racine de 3. Je simplifie alors par r à la puissance 3. Tout je simplifie par 8. Donc en là c'est égal à 4. Puis elle a à 3 fois ici le numérateur fois 3 racine de 3 fois 8 à la puissance 2. Les 4 savaient, je peux simplifier par 3 donc les 4 8, 4 pi fois racine de 3 sur 8 au carré, il y a 8 fois 8, il y a donc à 8 donc 4 fois 2 donc c'est 4 fois 2 fois 8 je simplifie par 4 donc finalement on et c'est la racine de 3 pi sur 16 donc c'est application numérique alors bien c'est égal à peu près j'ai trouvé 0,34 on l'avons en pourcentage le est à 30 34 il n'y a seulement seulement 34 du volume de la maille de la maille est, est occupé occupé par les motifs. Il y a le reste représente les sites, c'est-à-dire les sites non occupés, bien sûr. Question numéro 5, calculer la masse volumique du diamant. Alors, on a euh, la masse molaire d'IL diamant, il y a 12 g par mol. Tout mal au rayon, le a le rayon d'IL de carbone, il y a 8 fois 10 à la puissance moins 11 mètres. Donc la masse volumique, la question numéro 5. La masse volumique. La masse volumique d'IL le diamant, notée ρ, c'est égal égale la masse de l'émotif sur le volume de la maille. Le volume de la maille est égal, d'après le cours, Z fois la masse molaire de le carbone sur A à la puissance 3 fois le nombre d'avocados NA. Donc, Rho D est égal, comme application numérique, directement 8, fois la masse de carbone la masse molaire est 12 grammes, par mol sur on a dit que a est égal et là jette la question la question précédente 8r sur racine de 3 c'est 8r sur racine de 3 donc en dire à la puissance 3 c'est 8 à la puissance 3 fois r à la puissance 3 en juste multiplié directement le numérateur racine de 3 à la puissance 3 les y a 3 racines de 3 Thomas le nombre d'avocats de rôle là, il y a 6, de 10 à la puissance 23. Donc R, -r je remplace R O D égale 8 fois 12 fois 3 racines de 3 sur 8 à la puissance 3 fois R selon le cours Attends, on a selon l'exercice 8 fois 10 à la puissance moins 11. 8 fois 10 à la puissance moins 11 donc à la puissance fois la puissance 3 6,02 x 10 à la puissance 23. Je fais le calcul par calculatrice. Donc j'ai trouvé 3,16. Et l'unité, bien sûr, la masse molaire, il y a grammes par mol Donc l'unité reste qu'on a en grammes. Sur pour A, on a utilisé l'unité... Mètre. Donc, on a 1 gramme par mètre cube. J'ai oublié 10 à la puissance 6. Donc, on a 10 à la puissance x 10 à la puissance 6. On a l'unité à gramme par mètre. On a le kilogramme. Donc, rho D est égal à 3,16 x 10 à la puissance 6 x 1 gramme. Est égal à 10 à la puissance moins 3. Donc, x 10 à la puissance moins 3. Kilogramme par mètre cube. a donc Rho D, est égal à peu près 3,16 fois 10 à la puissance 3. L'unité est à kilogramme par mètre cube. La dernière question. Le diamant contient-il des sites permettant d'accueillir des atomes supplémentaires Suivent combien sont-ils ou se situent-ils La dernière question, la question 6. Prenons la maille, le diamant. Donc, la maille, le diamant, cest la compacité, on a déjà trouvé la compacité, c'est égal à 0, par la compacité qu'on a calculée, 34. 34. Il y a 34% seulement de l'espace occupé par les motifs. Donc, il existe d'autres, il existe d'autres sites site permettant d'accueillir d'autres d'autres atomes d'autres motifs d'autres motifs donc on a un autre motif ou par une autre couleur donc le motif mon petit fait la position d'un site tétraédrique vide les pralina le motif occupe la moitié de l'élicité titrahydrique vide donc l'autre en arrière tout le l'autre en avant enfin, le cube le petit cube en avant tout le monde, le cube en arrière donc le motif a, occupe la moitié moitié la moitié des sites tétraédriques vides. Voilà, exactement, il a déjà la moitié, la moitié est remplie, donc on a de la moitié vide. Et d'autres motifs, on a d'autres couleurs, par une autre couleur, qui occupent la position des sites, sites octaédriques les sites octaédriques notés 6. donc la position dièle des sites est qu'on le milieu de des arêtes donc qu'on en de tout le monde ici tout le monde centre de la, le, le centre dièle le cube le centre du le cube de